Bonsoir. Donc là, nouvelle aventure. Ouais, excusez-moi, j'étais absent pas mal de temps. Enfin, peu importe. Donc un pont de Granja, moteur Brise Straton. Je me gratte la tête. C'est pour réfléchir avant de parler. Voilà, ils ont tous le même problème. Comment vous expliquez ça? L'inverseur de marche arrière, marche avant, il s'use au niveau du roulement, au niveau du pont, c'est-à-dire ici. Donc, arrivons, il y a du jeu et la marche arrière ne fonctionne plus. Donc, j'ai trouvé la solution parce que, en fait, sur un motoculteur de 30 ans, ouais, 20 ans même. Ça va pas le coup de changer ça. Ça, c'est à l'intérieur. Parce que ça vaut 220 balles. Alors que le motoculteur vaut 20 balles. Enfin, 50, admettons. Si le moteur est bon, 50 balles, quoi. Donc, l'idéal, ce serait que... J'ai déjà fait sur une Marden, moi. Enfin, grossièrement, j'avais rechargé des pignons, la soudure, remolé et tout. Sur une marche arrière, ça marchait très bien. Je recharge cette partie-là de la soudure. J'usine sur une perceuse à colonne. De façon à ce que monsieur 6004 rentre dedans. Et puis, ça va le sauver. Donc, je pense que la personne va être contente étant donné que elle y tient son motoculteur. Donc, là, le roulement, je recharge. Là on est bien, là on est bien, là on n'est pas abîmé. Donc là, hop, tac tac tac, j'aime bien dire ça aussi. Je recharge la soudure, hop, j'usine à la perceuse à colonne sur une perceuse fraiseuse. Et j'enlis le roulement, ouais, terminé, on n'en parle plus. Et puis ça va faire le yay. Voilà, voilà.